Wesh, 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 les petits loups et les loups, nous sommes le jeudi 9 septembre de l'année 2020. Je vais vous parler d'un monsieur donc qui est en prison. Il s'appelle Julian Assange. Julian Assange est un informaticien, c'est lui qui est à la source du site web Wikileaks. Les fuites dont il a son, entre parenthèses, crime ou délit, c'est justement d'avoir dénoncé des crimes perpétrés sur des prisonniers dans les camps de Guantanamo, des tortures. Et c'est quelqu'un qu'on a mis en prison. D'où la phrase, si on met en prison des gens qui dénoncent des crimes, c'est que nous sommes dirigés par des criminels. Ces mêmes criminels. It's a big club, and you and I, internet, you and I are not in this big club. You know what they want? Obedient workers, but I will tell you what they don't want. People like me, capable of critical thinking, that's against an interest, that's right. That doesn't help them. It's against their interest. And you know what they don't want? Je viens de le dire. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, Julian Assange, qui est informaticien, qui a donc pendant longtemps été réfugié dans l'ambassade de l'Équateur, je crois, au United Kingdom, en Angleterre, les États-Unis demandent son extradition. Et c'est très compliqué d'obtenir sa libération, parce que Julian Assange est avant tout un journaliste. Et ce monsieur-là, on le fait taire. Et donc il a dévoilé des vidéos et des photos de torture infligées par les Américains. C'est totalement contre toutes les lois internationales sur les guerres et tout ça. De toute façon, tout le monde sait que tout est pourri, mais nobody seems to notice, nobody seems to see, nobody seems to care, on dit George Carlin. Voilà, sinon, à du positif, la superbe veste qui m'a été envoyée par Daniel Olivier de l'AMC Grasse. Un petit coucou de Rino. Le pilote de rider. Ah, ça s'appelle pas tout le monde, par contre. Je pense un petit coucou. Oh. Ah, je vais faire mon dodo, là. Oh. Ah, ça attend, là, c'est... Elle est partie dans les étoiles, ça. Bad news from the stars, comme chantait Serge Ginsburg, Lucien Ginsburg, qui nous a quittés en mars 92, je crois que c'était il y a bientôt 30 ans. Voilà, end of.